meilleur temps dans l'obstacle 7. Et puis Chester ensuite, hein, Chester Weber qui est connu pour faire danser ses chevaux. Ah oui, on a vu un très très beau spectacle avec le dressage de Chester. Ici à l'image maintenant, Boyd Excel. Il est champion du monde, double champion du monde. Ça fait 4 ans qu'il est imbattable lors des championnats du monde, mesdames et messieurs. Quand vous voyez évoluer dans cet obstacle, vous comprenez pourquoi c'est le patron de la discipline. Ah, ça va super vite, hein. Très très vite. Il a fait très peu de blocage au niveau des roues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'obstacle 1 et l'obstacle 2. Là, il est toujours efficace, le passage du pont Holtec. Ah, les chevaux dansent, hein. Quand vous voyez aller de gauche à droite tel un serpent dans cet obstacle, c'est absolument une leçon d'équitation, une leçon de menage que Boyd Excel est en train de faire. Et grosse performance du groupe, hein, derrière, parce que toujours en position accroupie, ça n'a pas bougé. Très physique également le rôle des deux groupes. Et vous le voyez, on l'accompagne jusqu'à la fin, mesdames et messieurs, Boyd Excel, champion du monde. Il est champion du monde.